Par centaines, ils viennent rendre un dernier hommage aux victimes de l'attentat du Crocus City Hall. Sous le choc, les Russes sont venus déposer des fleurs, des peluches et des mots de soutien aux proches. Je suis horrifiée. C'est tout simplement inimaginable, surtout quand des enfants sont concernés. Nous sommes solidaires dans cette peine immense. En réalité, il n'y a pas de mots pour la décrire. À quelques mètres de là, les secours continuent de fouiller les décombres et craignent que le bilan ne s'alourdisse. Cette nuit, nous avons creusé un trou dans le bâtiment principal pour amener les équipements d'ingénierie à l'intérieur de la salle de concert et permettre le travail des équipes de secours. Nous avons aussi éteint les petits incendies qui consumaient le toit. Nous avons déjà déblayé 100 mètres cubes de décombres. En cette journée de deuil national, les drapeaux sont en berne à travers le pays et les cinémas, musées et théâtres de Moscou